Bonjour à tous amis, c'est Goz. Aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle série sur une map aventure sur Minecraft. Aujourd'hui nous sommes donc sur la map Le Monde d'en haut, créée par Fate Chaos, map en 1.8. Nous allons tout de suite tester tous ensemble et faire tous ensemble. Donc cette map c'est la version 1.1, il y a une première version que je n'ai pas faite. Donc c'est la deuxième version de la map, donc toujours la même, sauf qu'il a rajouté 30 minutes de jeu, ça fait que maintenant il y a à peu près 2h30 de jeu. Donc ça va être cool, on a de quoi s'occuper. Donc, pour commencer la map, je suis arrivé ici, il y a du charcoal, je prends dans le coffre, il y a les règles et le commencement. Je prends le poisson, le solide bâton, on va lire les règles et le commencement tous ensemble, hop c'est parti. Règles. Interdiction de poser des blocs et d'en casser. Très bien. Ne pas tuer les PNJ. Très bien. Jouer en difficile avec une luminosité à 50% au moins. Alors. En difficile. Donc voilà. En ce moment normal, ouais. Avec une luminosité de 60% ou moins. Alors. Alors. On va se mettre à 50%. Comme il nous a dit, hein. On écoute ce qu'il nous dit. Voilà, jouer avec le chat pour pouvoir lire les dialogues. Parler au chef du village Arawa avant d'explorer et de parler à d'autres PNJ. Donc jouer en difficile, ça veut dire en normal ou en hard. On est reparti comme vous pouvez le voir. Je suis en difficile, donc déjà j'en chier. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Parler au chef du village Arawa avant d'explorer et de parler à d'autres PNJ. Très bien, et là vous deux. Alors le début, l'histoire. Vous venez d'avoir 16 ans et comme tout jeune de votre village, vous devez passer l'épreuve pour devenir officiellement un homme et recevoir l'épée de votre clan. Aujourd'hui le jour est enfin venu. Vous allez enfin pouvoir prouver à tous quelle est votre valeur, surtout à Zephyr, votre ennemi de toujours. Il fait tout mieux et plus rapidement que vous, mais aujourd'hui le doute n'est pas permis. Vous abordez tout de même une légère anxiété. Il paraît que plusieurs jeunes sont déjà morts durant l'épreuve, d'autant plus que de drôles de rumeurs circulent sur la falaise gigantesque, près de laquelle vous vivez. On parle du monde de ceux d'en haut, mais vous chassez vite ces pensées de votre esprit, puis vous rassemblez vos affaires et votre courage. Vous entendez déjà des cris dehors, le chef du village Arawa vous attend, il est l'heure d'y aller. Nouvelle quête principale, passer de devenir officiellement un homme, pour ce faire aller parler à Arawa sur la rive en face de la plage du village, en suivant les rondins de bois. Important, vous devez parler à Arawa avant d'explorer les environs et de discuter avec les PNJ. Très bien. Allons discuter avec Arawa alors. Chambre de Leylan. C'est nous apparemment Leylan. Donc on doit aller directement discuter avec Arawan. Donc on va tout de suite y aller. Hein. Your game mode has been updated. Salut Leylan, j'espère que tu as bien dormi car aujourd'hui c'est le grand jour pour toi. Tu as de la chance. Moi je vais devoir encore attendre 2 ans pour pouvoir passer l'épreuve. Tiens, mais voilà Leylan, j'ai vraiment hâte que l'épreuve commence, ça a l'air drôlement amusant. Toujours en retard, comment comptes-tu me battre dans ces cas-là? Ah, le Zephyr, là, il se prend malin. Tino, dépêche-toi, Leylan, le chef Arawa t'attend sur l'autre rive. Tu sais très bien qu'il déteste attendre. Nouvelle quête principale, passer l'épreuve du chef du village. Attention, cette quête doit être réalisée en priorité avant d'explorer les alentours. Allons-y. Donc, apparemment, Tino, apparemment, il est là-bas, Arawa. Ils font suivre les rondins de bois. Please, rondin de bois. Chef du village Arawa. Ça va, ils nous disent vers où il est. C'est gentil quand même, parce qu'on aurait pu se perdre sinon. Bref, en tout cas, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle map aventure sur Minecraft. Hein. Ça faisait longtemps. Et ça fait toujours plaisir. Je vais mettre les nuages. Non, je vais les enlever. Les nuages, c'est moche. Oh oh. Ouais, je disais, je vais enlever les nuages. Voilà, donc
Dialogue Arawa. A parlé en premier vers le visage, vers le visage. Arawa. Ah, te voilà enfin, Leylan. Es-tu prêt pour la grande épreuve? Bien sûr que je suis prêt. D'accord. Très bien, alors écoute attentivement les règles. Tu vas devoir sauter dans le lac depuis le promontoire au-dessus de nous. Il te faudra ensuite chercher sous l'eau le trophée de l'épreuve et me le rapporter. Très bien, allons-y, alors que l'épreuve commence. What? J'ai été téléporté. Allez, Leylan, saute. Je dois sauter dans le lac. Très bien. Et on doit trouver un trophée dans le lac. Allez, go! Première épreuve, les amis, pour devenir un homme. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je parcours sans répit. Je vais mourir sous l'eau. Oui, bien aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah! Je me disais bien qu'il y avait des trucs pour pas qu'on meure. Bref, je vais attendre que ma vie remonte un petit peu. Et après, on reprend une deuxième inspiration grande et forte et on va te chercher ce trophée. Allons-y, nous sommes Leylan. J'ai confiance en toi. En même temps, je suis Leylan. En gros, je me parle à moi-même. Trophée. Bien joué, Leylan. Rapporte-moi ce trophée en vitesse. 2 secondes, je reprends de l'air et on y va. Allons apporter le trophée. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, je vais mourir. Ne m'inquiétez pas, je vais pas mourir tout de suite. Je suis un professionnel. Attention. Non, c'est bon, ça passe. Allons apporter le trophée. À Arawa. On va rapporter le trophée Arawa qui veut quoi, le trophée pour commencer les épreuves et devenir un homme peut-être. Déjà en fait. Merci, bonne journée. La map est finie. Placez le trophée ici. Tiens ton trophée. Déjà de retour, Leylan. Quelle vitesse, je savais bien que tu y arriverais. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Je avalais de l'eau. À présent, il faut que tu ailles voir le vieux sage dans sa cabane au sommet de cette montagne. Tu as encore le temps d'y aller avant qu'il fasse nuit. Dépêche-toi. Ne vomis pas sur moi, Leylan, s'il te plaît. Nouvelle quête principale. Allez voir le vieux sage en haut de la falaise pour avoir votre récompense. Eh bien, allons-y. Vers le vieux sage. Vers le sommet. Ouais, il a dit qu'il est au sommet de la falaise, alors allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. En tout cas, la montagne là à côté est magnifique, quoi. Très jolie montagne. Bref, c'est pas le tout, mais on n'est pas là pour faire une visite guidée. On va au sommet de la montagne. Apparemment, on va voir le vieux sage. Avant qu'il fasse nuit, sinon il va se coucher, vous comprenez bien. Il mange à 18h et tout. Vers le mineur, vers le vieux sage. Donc c'est par le vieux sage. Tiens, il commence à faire nuit, vite, vite. Arrivons avant qu'il fasse nuit. Excusez-moi. Vers le vieux sage. Allons-y. C'est là sa maison. Très jolie. On se croit chez Heidi et tout le monde de la montagne. Hop, alors. Maison du vieux sage. Bonjour vieux sage. Alors, dialogue du vieux sage, 3 dialogues possibles. Comment oses-tu me déranger à une heure pareille, petit galopin? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect pour les vieillards comme moi. Mais c'est pas faux. Mais je... T'es le mec qui m'envoie chier. Tiens, prends ça, jeune insolent. Tiens, il m'a envoyé un poison. C'est tout ce que tu mérites. Ah, l'enfoiré. Il est complètement malade, ce Minoshnak. Il faut mieux que j'aille dormir. J'irai lui reparler demain. Très bien.
Allons dormir ou mourrons tout de suite. On va mourir. Très bien. Bon, bah, apparemment, il faut aller dormir. Et on lui reparlera demain. Peut-être que demain, il sera de meilleure humeur. Hein. Allons dormir. Aïe. Voilà. Je suis mort, quoi. Personne ne l'a vu. C'est ma chambre ici. Je suis mort déjà. Mais c'était une mort, c'était un peu un fail, quoi. Bon. Retournons voir le vieux sage. Peut-être qu'aujourd'hui, il est de meilleure humeur. Hop. Allons voir les vieux sages en haut de la montagne. Mes couilles. Au moins, ça m'a récupéré toute ma vie que je sois mort. Plutôt une bonne nouvelle. Ah, il est plus là, lui, le chef du village est parti. Peut-être qu'il est décédé. Mais je ne pense pas, il est peut-être juste parti. Allez, on remonte tout là-haut. Paf. Tac. Allez, on y est presque cette fois-ci. J'espère qu'il va pas nous lancer une potion dans la goule. Ça serait fort fâcheux. Hein? Je serais un peu vexé. Parce que une fois, tu te dis, oh, oui, mais c'était une erreur, ça m'a glissé. Deux fois, tu te dis, oh, non, non. Là, vraiment, vous êtes fou. Je vais vous emmener tout de suite. Là où vous auriez dû être depuis longtemps. Bonsoir, très cher ami. Ne brûle pas dans le feu. Ah, Leila, le chef Arawal va longuement parler de toi. Alors, comme ça, tu as passé l'épreuve. Il a bien changé, le vieux, depuis la vieille. Je suis d'accord avec toi. Ne dis rien. Je sais que tu es venu ici pour que je te remette la clé de la salle des guerriers. Ah, toujours aussi impatient, ces jeunes. Ils devraient se reposer de temps en temps, comme moi. Abrège, le vieux, et file-moi la clé. Haha, je me souviens d'un jour où il faisait beau et... auriez-vous l'extrême amabilité de me donner cette clé? Et de vous taire aussi. Oh, très bien, jeune homme. Le devoir de tout homme du village est d'aider son prochain. Va donc résoudre les problèmes des villageois pour être digne de ce présent. Tu me reparleras ensuite. Bonne chance, Leylan. En gros, le message, il me dit qu'avant d'avoir ma récompense, il faut que j'aille résoudre les problèmes des villageois. Très bien. Attention, définitif. Joyau. Clé du guerrier. Ce joyau est la preuve que vous faites partie du village. Insérez-le dans la porte au fond des habitations pour recevoir votre épée. Votre épée théorique, signe du guerrier. Très bien. Donc là, on fait quoi? On fait retour chez le vieux sage. Très bien. Donc lui, le vieux sage, il a dit de revenir lui parler quand on aura résolu tous les problèmes. Ok, on va résoudre tous les problèmes des villageois, ensuite on viendra lui parler à lui, et peut-être que cette fois-ci il aura quelque chose à nous donner. J'ai évité did the ground too hard. Forge d'Atlant. Bon bref, on va aller là-bas. On va chercher notre épée. Notre épée du guerrier. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup la map. J'aime beaucoup des maps comme ça, des dialogues et des quêtes à faire un peu partout. Moi, je trouve ça kiffant. Ça donne complètement une nouvelle expérience de Minecraft et tout. Tout en plus, c'est en français. Merde. En plus, pardon, c'est en français. Donc, alors, donc je dois mettre ça où? Merde. Insérez-le dans la porte au fond des habitations pour recevoir votre épée. La porte au fond des habitations. Très bien, on va chercher notre épée. Épée Tao Unbreaking 2. 4 en attaque. Et Book and Queen. Voici votre journal de route. Vous pouvez y consigner votre journée et les indices de votre aventure. L'histoire commence le 20 mai.
Ok, donc les indices qu'on chope, on peut les mettre ici pour s'en rappeler. Donc le 20 mai, on va mettre. Alors, je viens de recevoir une l'épée. On va mettre l'épée du guerrier. L'épée du guerrier. Je dois aller aider les villageois. Et ensuite reparler au grand. Putain, on peut plus écrire. Attends, on va écrire ça. Oh, grand sage. Hop. Où ça, on va le mettre ici. Ça, ici, ici. On a reçu aussi un stick. Ah, c'est l'épée toi. Pardon, on va mettre l'épée toi au lieu de l'équipe du... Bref, l'épée du guerrier, l'épée toi, tout le monde comprend. L'épée toi. Le jeu de mots. Bref, maintenant on va les résoudre. Ah, il y a de la bouffe ici. On va aller résoudre les problèmes des villageois, mais avant on va les piller d'abord. Bon, ils ont pas grand chose, hein, à part deux cookies. Ah, il y a des bottes. Prends les bottes. On prend les bottes. Ouais, en fait, je vais tous les piller. C'est pas une mauvaise idée, hein. Écoute, deux cookies. Absolument rien ici. Ah, lui, il a un grand. Quoi, ce bordel? Il n'y a rien dans son coffre. Voler, c'est mal. Putain, ça m'a fait peur. Bien joué, en tout cas. J'ai vu que j'avais marché sur une plaque de pression en même temps. Je m'étais dit qu'est-ce qui allait m'arriver encore une fois. Putain, je galère pour ouvrir ça. Putain. Vas-tu t'ouvrir, Saligo? Ah, c'est bon, je suis enfin sorti. Ma fille m'a dit voler c'est mal, mais c'est pas pour ça que j'arrêterai de voler, mes chers enfants. Se voler c'est la vie quand même. Le mec s'éloigne des coffres maintenant quand il vole quelque chose. La prudence, mes amis. Maintenant on va partir à la quête. Donc l'épisode est déjà presque fini, mais bon. On va quand même aller parler à un villageois. Ah voilà. Parler à Tino. Bien, place du village. Là, je vois, c'est écrit Forge d'Atlante. On peut rentrer. Bienvenue aux Forges d'Atlante, Leylan. Nous vendons le meilleur matos qu'il soit, forgé dans le feu du Nether. Alors, tentez. Dialogue forgeron de quêtes réalisables. Donc là, apparemment, il y a des quêtes qu'on peut avoir chez lui. On va lui voir ce qu'il demande comme quête. Ah, Leylan, dit ton papy que ce flemmard de mineur ne m'a toujours pas livré ma cargaison spéciale. Peux-tu aller chez lui et l'envoyer à sa place? Je t'en sers reconnaissant et n'oublie pas de l'engueuler de ma part. Nouvelle quête, ramener la cargaison du mineur au forgeron et l'expédient par wagonnet. Allez. À bientôt. À bientôt, forgeron. Donc là, faut qu'on trouve le mineur. Je suis passé devant chez lui tout à l'heure, je crois. Promontoire du pêcheur. Ouais, je vois qu'il y a des... Ça doit être dans la montagne, hein. Dans la montagne. Bref. Il est revenu à Arwa, lui. Il était parti hier soir, puis aujourd'hui il est revenu.
comme ça, au calme, posé. Bref, on va chercher le mineur. Si on trouve pas le mineur, bon, ça va être là pour cet épisode, ou sinon on trouvera le majeur. Excusez-moi. Hein. Cette blague n'était pas gratuite. Où c'est qu'il habite le mineur? Vers le mineur. Et il est où le mineur? Mine? Non, je vais d'abord à la maison du mineur. Maison du mineur. Ah, il est là, les affaires ne vont pas fort depuis que la mine est bloquée à cause d'un éboulement. D'accord. La nuit dernière, lorsque je me promenais près du village, j'ai vu le Harawa rentrant dans cet appartement. Je voulais lui parler au sujet des problèmes de la mine, mais je suis entré chez lui, il s'est baptisé. J'ai juste entendu le bruit d'un piston. Le lendemain, je suis revenu, mais je n'ai rien pu trouver. Je me demande ce que ce chef a fait. Quête secondaire, inspecter la maison du chef du village et découvrir son secret. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ce premier épisode sur le monde d'en haut vous a plu. Moi je kiffe grave, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, et nous on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 sur le monde en haut. Et à tous les amis, bisous à tous, c'était Goz, à la prochaine.